be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I see her. Tu fais une vidéo. Pourquoi tu m'as pas oublié avant de commencer? Tu fais quoi? J'en marre, putain. T'es gavant. Je t'ai dit de faire. Arrêtez de faire ça là. Pourquoi tu me fais une vidéo quand je dors? Pourquoi ça t'amuse? Putain, j'en marre, t'es chiant quand même. On peut pas dormir tranquille là. Franchement, t'es sérieux, t'es chiant. Moi, je dors là et. Tu fais une vidéo. Normal, t'es normal, t'es sérieux. Franchement, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Tu fais une vidéo et moi, je dors. Vas-y, fais là ta vidéo. Tu faisais quoi? C'était pour m'enlever? C'était ça le but de ta vidéo? Sérieux, Jean-Marc, c'est pas bien ce que tu fais. Hein. Toi, moi, je dors tranquille. T'allumes tout le projecteur et tout. En plus, j'ai mal aux yeux, même. Il est 6h en plus. Il est 6h, tu m'as réveillé à 6h pour faire une vidéo. C'est parce que c'est ton dernier jour que tu veux faire ça? C'est ta dernière blague, c'est ça? C'est pour me faire chier. Une dernière fois avant que tu pars, c'est ça? Sérieux, arrête Jean-Marc. En plus, on s'est bien amusé hier. Toi, on est vendredi quand même. T'as la chance, c'est la fin de la semaine, Jean-Marc. Parce que franchement, c'est pas bien, ça se fait pas ce que tu fais. Franchement, ça se fait pas. Tu me réveilles comme ça à 6h du matin. Et t'allumes tous les trucs comme ça, j'ai les yeux qui piquent là. Et tu fais une vidéo. Putain, tu fatigues, hein. Jean-Marc, tu rentres aujourd'hui, hein. Putain. Putain, Jean-Marc, toi aussi. Vas-y, fais ta vidéo. Et puis c'est bon, éteins tout là, parce que c'est bon. Je suis fatigué, maintenant tu m'as réveillé, t'es content? T'es content, Jean-Marc? Non, mais tu vas me manquer, c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais te réveiller et t'embêter une dernière fois. Ouais. T'as la chance que je t'aime bien, Jean-Marc, mais bon, voilà. Moi aussi, je t'aime bien. C'est pour ça que je voulais faire une dernière vidéo avec toi et te réveiller. C'est pour ça, je suis désolée, David. Ok, je t'en veux, parce que je t'en veux pas, parce qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour et tu vas rentrer. Puis voilà, tes parents ils t'ont manqué. Voilà. Bon, ben, on va finir la vidéo. Et en plus, après le travail, tu sais qu'on va aller voir ma nièce, Marco. Tu l'as jamais vue? Ah ouais? Ouais. On va aller voir ta petite nièce, Marco. Elle est comment? Noire comme toi? Jean-Marc. Elle est pas noire. Elle est.
Elle est, c'est une petite fille métisse, elle est métissée. Ah oui. Oui, Jean-Marc. Ah, ça me fait plaisir de voir ta famille, de voir ta petite nièce. C'est moi qui t'ai mis le réveil tout à l'heure. Pour que tu te réveilles plus fort, je vais augmenter le son. Ah, Jean-Marc, t'es quand même... T'es un personnage quand même, hein. Tu le sais ça? Mais bien sûr. En plus, tu vas me manquer. Tu vas vraiment me manquer. Alors, cette vidéo, c'est ta dernière vidéo, Jean-Marc? Oui, c'est ma dernière vidéo. Franchement, les amis, ça va me manquer la chaîne de David l'artiste. Elle va me manquer sa chaîne. Et je reviendrai faire une vidéo avec vous, les amis. Franchement, j'ai passé du très bon temps avec David et tu vas me manquer. Moi aussi, tu vas manquer, Jean-Marc. Bon, ben voilà, hein. C'est parti. Hein. Je vais aller me laver, je vais aller au travail. Et puis, ce soir, eh ben, on va, cet après-midi, vers les 16h, on ira voir ma petite nièce. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marc? Oui, ok, d'accord. Aujourd'hui, je ne vais pas trop t'embêter, puisque c'est mon dernier jour avec toi. Et tu vas vraiment me manquer. Jean-Marc, moi aussi, tu vas me manquer. Pleure pas, pleure pas. T'inquiète, tu reviendras en septembre ou je sais pas. Mais tu vas vraiment me manquer. Ouais, t'inquiète. Pleure pas, Jean-Marc. Après, tu vas me faire pleurer. Tu vas me faire pleurer, Jean-Marc. Ne pleure pas, d'accord? Sois grand, grand et fort, d'accord? D'accord. Je vais essayer d'être grand et fort. Ok, Jean-Marc, bon, ben voilà, en plus il m'est arrivé beaucoup de choses cette semaine. Bon, je vais dire un peu en deux mots avec mes amis youtubeurs. Je pense que c'était pas trop top cette semaine. J'ai, pour vous dire, franchement, Jean-Marc, t'as bien vu l'histoire des clés? Oui, je m'en rappelle. Vous savez ce qu'il a fait? Vous allez rigoler. Bah alors, dis-leur, Jean-Marc, ce qui s'est passé. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses clés. Et il les a mis dans la voiture et puis il est remonté à la maison. Il a voulu ouvrir la porte avec les clés de sa voiture. Il est vraiment barjou, David l'artiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a pris les clés de sa voiture et il a voulu ouvrir la porte de chez lui avec les clés de sa voiture. Il est vraiment con quand même. Hein. Je suis désolé de te le dire, David, mais t'es vraiment con. Ouais, là j'étais con. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mes clés et je les ai mis dans la voiture, dans le garage. Et j'ai fermé le garage par la clé, hein, puisque la clé était dans la voiture. Et puisque j'avais oublié ma clé de voiture à la maison. Et du coup, je suis redescendu, j'étais bloqué dans le garage. Et il y a une voisine qui est venue m'aider et tout. Et j'étais vraiment perdu. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, j'ai pris les clés. Et bon, Jean-Marc il se moquait de moi. j'ai mis mes clés dans ma voiture, j'ai fermé ma voiture, je suis remonté, j'ai pris l'ascenseur. Et vous savez que dans les nouveaux immeubles, en fait, quand on prend les clés et qu'on remonte chez soi, on ne peut pas ouvrir le garage, les portes du garage. Du coup, je me suis retrouvé enfermé, je ne pouvais plus descendre. Je pouvais descendre, je ne pouvais pas ouvrir la première porte pour ouvrir mon garage. Et du coup, ça m'a fait perdre du temps et j'ai failli être en retard au travail. Et puis, bon, après, il m'est arrivé aussi une autre chose, en fait, pour vous dire, mercredi, là, qui est arrivé, là, en fait, j'ai fait un malaise. J'y vais pour aller au travail et, en fait, ben, je suis tombé par terre comme ça, comme une merde. Et j'ai rien compris. Et je voyais tout flou. Tout noir, j'ai fait mon malaise, mon premier malaise de l'été. Et du coup, voilà, je suis resté chez moi, j'ai dormi. Et puis, voilà, j'étais vraiment pas bien. Et après, il y a encore un autre qui m'est arrivé. Il m'est arrivé plein de choses cette semaine, c'était faux. Excusez-moi, je suis fatigué. Jean-Marc qui vient de me réveiller là, et puis... Oui, mais je t'ai réveillé, c'est normal, il faut que tu ailles travailler. Si tu veux vraiment avoir de l'argent, il faut que tu travailles pour payer ton loyer à la fin du mois, David, tu le sais? Oui, je sais. Il faut que je paye mon loyer à la fin du mois. Et j'étais en train de dire quoi, voilà.
En fait, le deuxième truc qui m'est arrivé, en fait, c'est qu'en fait, je suis allé au travail. Et déjà, j'étais stressé, hyper stressé et tout. Et en fait, j'étais angoissé et tout. J'étais vraiment pas très très bien. Il y a le réveil là. Et en fait, voilà, j'étais stressé au travail. Et en fait, je sais même plus ce qui m'est arrivé. Moi, je viens de me réveiller, je sais plus comment vous raconter. Bon, enfin bref, j'essaierai de vous raconter tout ce qui m'arrive en ce moment dans une des vidéos prochaines qui va arriver. Parce qu'en fait, c'était pas ma semaine, en fait. C'était vraiment pas ma semaine. À part Jean-Marc qui me faisait rire, et ben, c'était pas ma semaine. Oui, mais quand même, on s'est bien amusé hier. Ah ouais? Bon, oui, parce que, en fait, ce qu'on a fait, moi et Jean-Marc, c'est qu'on est allé parler avec des voisins et on était avec une jeune fille, une voisine, qui est hyper sympa comme tout, était hyper contente de s'amuser avec Jean-Marc. Et puis voilà. Ben, je ne vais pas parler de plus parce qu'en fait je suis fatigué les amis, excusez-moi. Et je viens de me réveiller, c'est Jean-Marc qui vient de me réveiller. Et aujourd'hui on est vendredi et tout à l'heure on va aller chez ma nièce. Et puis Jean-Marc qui va découvrir ma nièce pour la première fois, on va faire une petite vidéo. Et puis je vous laisse suivre la vidéo, la suite de la vidéo les amis. Bon après il m'est arrivé plein de trucs, mais là je viens de me réveiller et puis voilà. Je voulais juste vous dire que bon j'ai fait ma pire semaine du mois de juillet, parce que en fait j'ai fait un malaise, je suis tombé vraiment comme une merde. C'est pas des conneries que je vous dis. En fait, je me suis levé et j'ai ouvert les yeux, je voyais tout noir. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait mon malaise, mon premier malaise de l'été. Et puis voilà, après ces histoires de clé, j'ai mis la clé, j'étais perdu au début de semaine. C'était lundi, j'ai mis la clé dans la voiture, je suis remonté et après je dis mince. Je me revers la porte de l'appart avec la clé de la voiture, je suis bête ou quoi? Et du coup, je suis redescendu, j'étais bloqué en bas. Puisque je peux pas aller dans le garage, parce que j'ai pas la clé de la première porte du garage pour accéder à mon garage. Et du coup, grâce à une voisine, j'ai pu rentrer dans le garage, puisque j'ai une voisine qui passait par là et qui m'a ouvert la porte du garage. Et puis du coup, j'ai pu être limite pour aller au travail. Et puis, je sais même plus, enfin, excusez-moi si ça va me revenir. Puis, il m'est arrivé aussi un truc ben, au travail, en fait. Hein, au travail. Parce que je suis hyper angoissé, tout ça, on m'a énervé et tout. J'étais pas bien et tout. Et puis, en fait, je sais même plus, je suis fatigué, je sais même plus ce qui est arrivé. Mais j'étais pas très très bien, en fait. Il m'est arrivé un truc de tout qui arrive dans tous les travails. On m'a énervé un peu et puis voilà, enfin bref. Je vous laisse regarder la vidéo les amis et on se retrouve pour la prochaine vidéo avec ça serait pas une vidéo avec Jean-Marc puisqu'il nous quitte. Eh oui, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de partir, c'est pour ça que je ne parle plus. Vous allez tous me manquer les amis. Franchement, ça fait bizarre de partir de la maison de David l'artiste, puisque son appart est bien et on a bien rigolé, lui et moi. C'était génial. Pas vrai? Pas vrai, David l'artiste. Tu vas vraiment me manquer. Je tiens à te le dire, que je reviendrai. Je suis tellement triste. Non, mais ne sois pas triste, Jean-Marc, t'inquiète. Tu reviendras. T'as intérêt que je revienne, puisque franchement, j'aime bien rigoler avec toi. Et on s'amuse bien avec ta petite chaîne YouTube. Avec tes abonnés, ils sont sympas. Ils likent beaucoup. Ils ont liké la dernière vidéo. Franchement, elle était bien. Et je tiens aussi à dire une petite dédicace à Dan et Sarah. Puisque ils m'ont bien reçu chez eux. Sarah et Dan. Et puis Sylvain. Sylvain qui est mon petit papa à moi, petit papounet. Et puis Gwendolyn. Ma maman, Gwendolyn, me manque beaucoup. Elle me disait de manger beaucoup de bananes. Et oui, franchement, j'ai passé un agréable moment avec David l'artiste. Tu vas vraiment me manquer, hein, tu sais, Koduk. C'est pas pour dire, mais tu me manques déjà. Ouais, mais t'inquiète. Ça, on va se revoir, t'inquiète, Jean-Marc.
Même si je pars, voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, parce que j'ai passé la terrible, la plus mauvaise semaine de mon mois de juillet. Et puis voilà, il y a le réveil qui fait que de... Là, il va bientôt être 7h, je vais vous laisser, car je vais aller me laver, me préparer. Et on est vendredi, et puis voilà, je suis fatigué. Que de sonner le réveil, j'en peux plus. Bon ben Jean-Marc, on se retrouve tout à l'heure avec ma nièce, d'accord? Et t'essayeras de rester calme, d'accord? Hein? Je vais essayer. Mais si ta nièce elle est méchante avec moi, elle va m'entendre, ça c'est sûr. Allez Jean-Marc, dis au revoir aux abonnés, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Et puis voilà. Salut les amis. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, enfin la suite de la vidéo. Et puis voilà, j'ai passé un très bon moment avec David l'artiste, likez la vidéo, et puis voilà, je suis vraiment dégoûtée de partir d'ici, c'est tellement bien ici, et je m'amuse bien avec ce croduc. C'est qui le croduc? Mais toi? Ah c'est bon, Jean-Marc commence pas à m'insulter, on a dit on n'insulte pas dans la vidéo aujourd'hui, on reste calme. Je t'ai déjà dit hier, t'arrêtes d'insulter, sinon tu reviendras plus. T'as intérêt que je reviens. Ah ben alors t'arrêtes d'insulter, t'arrêtes de dire croduc, d'accord? Ok, mais je peux le dire aux abonnés alors? Non, même pas aux abonnés, tu dis pas croduc à mes abonnés, ils t'ont rien fait. Je vais leur dire quoi? Bande d'abrutis alors? Oh. Bon, ouais, si tu veux, vas-y. Bande d'abrutis, likez la vidéo et puis on se retrouve une autre fois. Là, vous allez voir la suite de la vidéo avec... Comment s'appelle ta nièce? Margot. Avec Margot. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Enfin, la suite de la vidéo avec Margot. Salut les croducs! Aujourd'hui, on fait une vidéo avec la cousine de David l'artiste. C'est ça? Elle était au shop, je pense. Et là, elle est en train de faire du coloriage. Ah, madame Margot! Pourquoi elle ne parle pas? C'est bizarre ça. Margot! Oh! Ma tête. Donc, j'ai voulu faire une petite entracte car j'aimerais que vous vous abonniez à mon compte TikTok. Je fais une petite pub, hein. Non, t'en vois rien. Donc voilà, ça c'est mon compte TikTok. Bon, c'est bon, t'as fini ta petite pub. Voilà, donc allez vous abonner s'il vous plaît. Et là, voilà. Bon, c'est bon, t'as fini ta petite pub. Là. Oui. Abonnez-vous à son TikTok de merde là. Et aussi à mon Instagram parce que... Instagram aussi. Instagram. Que je vais tout de suite vous montrer et qui va mettre mon machin en bas de la peau. Bon ben voilà les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez vu. J'étais en train de ronfler tout à l'heure avec... Voilà mon compte Instagram. Oubliez ma voix. Moi ils ont pas, on voit rien. Bon bref, on s'en fout. Voilà. Voilà, c'est bon, elle a fini. Bon ben on fait une vidéo ou pas Margot? Parce que nous on attend là. Je fais aussi une petite vente. Mais vas-y, fais tes plumes de merde là. On peut y passer le temps, hein, baby. Ça, c'est un cadeau pour lui. Si oui, c'est le cadeau de ton chat, là, ton chat de merde, tu vas le voir bientôt, là. C'est lui, là. Non, mais là c'est moi qui... En fait, j'ai de la magie dans les doigts. Ouais, c'est coup... ça, de la fausse magie, là, de saloperie, là. Et non, j'arrive vraiment... Bon, bref, voilà. C'est un fake, ok. Ah bon, un fake? C'est quoi cette fake? C'est quoi cette merde? Oh, tais-toi!
Bon, allez, finis ton coloriage, le repas il va se tendre. Quel coloriage? Oui, mais t'es en train de faire du coloriage, là, regarde, tous ces trucs, là. Margot, je te fais un bisou. Ah. Bon, voilà, t'es en train de faire une petite vidéo, une petite démonstration de vidéo, tranquille. N'oublie pas de liker la vidéo et d'aller dans le compte TikTok de Margot, là, comme ça, il montrait tout à l'heure. Je sais pas si vous avez bien vu, en fait. Et dans le TikTok de une artiste aussi, qui est zip là à côté de moi et qui parle pas aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a. Ici, je parle. Comme vous avez vu, on est en train de dormir tout à l'heure. Je sais qu'on vient d'une artiste, c'est pour ça qu'il est, il est comme ça. Mais sinon, tout se passe bien. Il y a Margot, la petite nièce, qui est excitée. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah. Elle arrête pas, elle commence à m'énerver, ta petite nièce, ta vie. Tu veux que je te passe une petite manucure ou pas? Non, je veux pas t'énerver. Arrête, laisse-moi pas tranquille. Ça va pas, non? Et aussi un petit Starella Boss de chez Sephora. Ouais, c'est ça, c'est trop drôle. C'est de la merde, ton truc. J'aimerais trop faire YouTube de beauté. Tellement c'est de la merde, on voit rien de ton truc. Bon, tu fais ton coloriage? D'accord. Fais ton coloriage. C'est pas une bisou, regarde. Un petit coloriage pour moi. J'en meurs. Aïe. Oh, elle est bien quand même. Tu vas en bonbon? Oui, j'en vais bien. Voilà, on fait une petite vidéo tranquille avec Jean-Marc. Moi, je suis en train de remplir. Je vais donner le truc. J'ai un peu chaos, je dormais tout à l'heure, c'est Jean-Marc qui m'a. Lequel? Le bleu, le vert, le orange, le rouge ou le jaune? C'est là. Lequel? Le jaune? Oui, le jaune. Le jaune, ok. Tiens. Bon, je sais pas bouffer, ok. Donc... Mais allez, attends, j'ai faim. Puis c'est le meilleur. Tu dois faire un régime. Ok. Mais moi, j'en prends pas. Mais de toute façon, d'habitude, je mange des bananes. Mais maman m'a dit de manger des bananes. Elle en prend, par contre, parce que... Et mon papa Sylvain, que j'embrasse très fort en ce moment, qui me manque, et ma maman Godeline, qui me dit de manger des bananes, bien sûr. Je vous embrasse, mes parents, et je reviens à la maison bientôt. C'est enfin une des dernières vidéos avant que je revienne à la maison, mes parents. Où m'a manqué Sylvain et Godeline. Qu'est-ce que tu fais, Margot? Mais c'est quoi? Tu manges des bonbons? T'as pas marre de manger des bonbons? David, tu dis rien, toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Si ma nièce veut manger des bonbons, elle mange des bonbons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. Oui, j'en veux bien un petit morceau. Mais arrête! T'as vu comment elle fait? C'est pas de ma faute, tu bois avec elle. T'es où, Charles Margot? Je quitte les lieux. Qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Une chaîne de coussin, elle est forte, elle est pas rejouée ta soeur David. Enfin, ta nièce David, excuse-moi. Ouais. Bon, ben on se retrouve pour la prochaine vidéo. Il y a Margot qui voulait essayer. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Oui, de ça. Et s'abonner à sa, son TikTok de merde, je sais pas si vous avez vu. Et puis. Et likez la vidéo, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo avec David Artiste. Peut-être que c'est ma dernière vidéo, moi, que je fais. Avec qui? C'est pas conduite. Bon voilà, c'était une vidéo tranquille avec Margot parce qu'elle voulait voir Jean-Marc. Et puis elle a vu, et puis tout se passe bien. Elle est contente d'avoir vu Jean-Marc. Enchantée d'avoir vu Margot, la petite nièce de David Ortiz. Regardez, elle est toute jolie. Hein. Comment ça, t'étais pas très enchantée de me voir? Ça va pas, non? Tu dis pas ça aux abonnés, sinon je leur dis de ne pas s'abonner à ta chaîne. Ah si, abonnez-vous. Voilà, ton TikTok de merde. Voilà. Aïe. Salut les amis. Voilà, oh, c'était pour une vidéo cool. Salut. Tchuss. Tchuss les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Twix. Ah, allez les chroniques, ciao. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.